Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de mettre en place un gouvernement fort. Il s'est exprimé lors d'une réunion de son parti après que le président Reuven Rivlin lui a demandé d'essayer de former une nouvelle coalition. Netanyahou et son principal rival se sont chacun efforcés de réunir suffisamment de sièges au Parlement pour gouverner la suite à la quatrième élection anticipée en 2 ans. Netanyahou a déclaré que ses priorités incluraient la reconstruction du stock israélien de vaccins contre la Covid, la relance économique et la confrontation de l'Iran. Netanyahou, dont le procès pour corruption vient de débuter, a jusqu'à 6 semaines pour former un gouvernement.